Je vais aborder le sujet sur restituer l'alliance du mariage. Restituer l'alliance du mariage. Notre thème, c'est bien sûr la restitution du mariage. Donc nous avons vu qu'il faut restituer le désir de se marier, le pouvoir d'aimer, restituer les fiançailles. Maintenant, il faut restituer l'alliance. Parce que le mariage est une alliance. Et donc, ça veut dire que s'il faut restituer l'alliance, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne se marient pas parce qu'ils ne veulent pas de l'alliance. Il y en a qui sont mariés et du coup, ils ne sont pas dans l'alliance. Et on voit tous les dégâts, on voit toutes les indignités que nous pouvons voir, qui ne permettent pas de vivre véritablement le mariage qu'on a désiré avec tout l'amour, toute la force, toute la puissance et toutes les choses qui peuvent manquer parce que du coup, l'alliance n'est pas là. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire le choix de restituer l'alliance. Nous avons apporté beaucoup de définitions au mariage. Oui, c'est une institution, c'est une bénédiction, c'est une alliance, le mariage. Et comme pasteur Jocelyne l'expliquait, c'est une alliance entre deux personnes qui se sont trouvées. Une fois qu'on s'est trouvé, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, il faut s'engager. On s'engage dans une alliance. Vous voyez, on s'engage. Voilà, on n'est pas là pour faire commerce, on s'engage dans une alliance. Ça veut dire qu'on s'est trouvé, ça veut dire qu'on est là pour vivre ensemble, dans ce monde difficile, où ce n'est pas évident de faire face, dans nos sociétés comme les nôtres, où sont des sociétés où tout est financiarisé, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut acheter des maisons. Donc on s'est trouvé, ça veut dire qu'on n'est plus seul. Deux valent mieux qu'un, comme dit le Seigneur. Vous voyez, c'est une alliance, tout ça qu'on est en train de dire, comment on fait face aux choses. Donc, c'est une alliance de se dire, on va faire face ensemble à cette vie, mais surtout, on va tirer le meilleur de la vie, c'est-à-dire le bonheur que procure cette alliance, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, de se choisir, de vivre leur vie, de connaître le bonheur ensemble, dans l'unité, dans la solidarité. C'est ça, en fait, l'alliance qu'on se promet. Parce que dans la réalité, nous voyons bien, effectivement, beaucoup d'histoires. Bon, on kiffe, on se met, on verra. Et puis, au fil du temps, c'est le temps qui passe. Et puis, dans deux matins, chacun prend sa route. Mais quand tu regardes en arrière, que de temps dans des illusions, que de pillages. Tu sors là-bas avec des fardeaux, des blessures, des désillusions. Vous voyez, parce que on n'est pas allé dans le sens de l'alliance. Quelle alliance on fait, en fait? Quelle alliance on fait? Les rapports sexuels ne sont pas une alliance. Voilà. Sinon, vous allez dire que la prostituée a une alliance avec tous ces hommes qui peuvent défiler chez elle. Donc, il faut quand même continuer qu'on soit honnête pour reconnaître que cette histoire d'alliance a été pillée, notamment par le côté de l'impudicité. Voilà. Donc, du coup, ça vient enlever cette alliance où on veut vivre ensemble. On veut chercher le bonheur ensemble. On veut bâtir quelque chose ensemble. Vous voyez? Et quand on se positionne comme ça, ça revient à ce que disait Pasteur Jocelyne. On remet au cœur de tout, d'abord, le dialogue, les échanges. Qu'est-ce qu'on pense de ceci? On cherche la paix. Toutes les choses qui manquent à beaucoup de couples, qui sont comme lancés dans quelque chose, on ne sait même plus comment arrêter toutes les dérives. Donc, bien-aimé, d'abord, le mariage est une alliance. Toi qui es marié, reconnais que c'est une alliance que Dieu t'a dit de faire et revenez à l'alliance. Et on peut toujours revenir à l'alliance. Que non, là, on a mis des priorités qui n'étaient pas les bonnes. Notre priorité, c'est quand même d'avancer ensemble, d'être heureux ensemble, de se battre ensemble, d'être du même côté. C'est ça l'alliance, en fait. Parce qu'on était avant deux personnes inconnues, chacun vivait sa vie. Mais personne ne nous a forcé d'être là. On est là parce que on voulait faire alliance pour la vie. Et là maintenant, c'est des combats, c'est des duels, c'est des ceci, c'est des mépris. Donc on revient à l'alliance. Ça c'est pour ceux qui sont déjà dans le mariage et qui souffrent déjà du manque d'alliance. On peut y revenir. Et s'il n'en avait pas, on peut l'établir. Comme on l'a entendu tout à l'heure, pour les fiancés, comme pour nous, tous ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut d'abord envisager l'alliance. Dans la vie, en fait, nous avons besoin de faire des alliances. Regardez le fait que nous soyons là, dans un ministère. Mais c'est une alliance.
une alliance avec Dieu, en qui nous croyons, et une alliance entre nous, puisque nous croyons dans le même Dieu. Donc on fait alliance pour le servir ensemble, pour le louer, pour le glorifier, pour marcher dans ses voies. Et nous sommes forts quand ensemble nous faisons cela, et ça permet d'avancer dans la vie. Vous voyez, dans le monde, en politique, les gens y font alliance pour être dans un parti politique et conquérir le pouvoir. Sur le plan économique, vous allez chercher des du travail dans des sociétés qui recrutent beaucoup, mais ce sont des alliances entre des individus qui ont découvert qu'on nous avons un talent sur le plan économique, faisons alliance pour bâtir une grande entreprise. Et ça apporte une bénédiction à la société. Vous allez chercher du travail. Heureusement qu'il y a aussi ces sociétés-là. Donc, voyez que l'alliance produit quelque chose de fort. L'alliance permet à l'humanité d'avancer dans des voies droites. Mais à côté de ça, on sait que le diable veut pousser chacun à l'individualisme. Et donc, il veut briser les alliances. Mais il veut briser les alliances. Mais ça ne veut pas dire que lui-même ne fait pas des alliances. Lui, il veut emmener d'autres types d'alliances. Parce que pour bâtir son royaume, il a aussi besoin des alliances. Les alliances des sorciers, les alliances des impies, les alliances des criminels. Voilà. Les gens font des alliances. Donc ne pense pas que quand je te dis qu'envisage-toi les alliances que tu veux faire, que ce soit une question de te perdre du temps, mais c'est le sens de la vie. En principe, tu es né dans une famille. Et cette famille est une alliance. Quand tout se passe bien, les enfants naissent dans une famille où l'alliance est forte et sont eux-mêmes impactés déjà par cette vision de l'alliance qui unit la famille. Mais nous savons aussi que malheureusement, aujourd'hui, nous avançons de plus en plus vers des sociétés où les enfants naissent et ils ne voient pas cette alliance. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'il y avait un papa, il est quelque part, il y a une maman, elle est quelque part. Toutes ces choses affaiblissent déjà cette vraie vision de la vie qui est en fait le principe de l'alliance. Parce que même parce que le Seigneur nous dit de regarder les choses pour être enseigné. Regardez, même dans la nature, les choses que vous voyez, la matière que vous voyez, ce sont des alliances en fait, entre les atomes, les molécules qui forment les choses que vous voyez. Et tout ce qu'on appelle les électrons libres, les alliances qui papillonnent par-ci, par-là, ce n'est pas eux qui constituent en fait la base en fait, de la création. Parce que sinon, il faut que les atomes se mettent ensemble pour pouvoir former l'eau que vous buvez. Il faut H2O, il faut prendre de l'hydrogène et de l'oxygène. Il faut que ça alliance pour former l'eau que tu bois. Donc on voit bien que l'alliance, c'est le principe de la vie. C'est quand le diable vient te tourner de la tête, tu fais croire que tu es un électron libre et tout ça, toute cette chose. Et donc, du coup, c'est plutôt, tu deviens un instrument plutôt de la zizanie que de la construction, ni sociale, ni spirituelle, ni sentimentale, en fait. Donc, si nous voulons cette restitution, nous avons vu, nous, l'auto-restitution. Il faut se restituer soi-même dans les vrais principes de la vie. Il faut arrêter l'anarchie. Vous voyez ? L'anarchie, que ce soit en politique ou en économie, les anarchistes n'ont jamais rien fait de bon. Mais il faut devenir des bâtisseurs. Voilà. Toute société est bâtie par des personnes. Et on fait référence à eux. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez aller à Washington, vous allez aller au Capitole, vous allez voir tous ces monuments qui consacrent l'œuvre des pères bâtisseurs. Ceux qui ont posé les principes de la Constitution, qui fait que 200 ans plus tard, ils marchent toujours sur ces traces-là. Je prends ces exemples pour que tu comprennes. Ce à quoi tu es appelé à bâtir, ce n'est pas le moindre dans l'histoire. Parce que nous pensons que toi, quand tu es là, Satan te renvoie à tes limites. Il veut t'enfermer dans ta petitesse. Il veut te faire croire que, bon, toi, tu n'es rien, hein, l'histoire, ce n'est pas toi, vas-y, fais tout ce que tu veux. Mais quand vous voyez maintenant, vous dites par exemple, ah, une grande famille, ah, vous regardez telle famille, aux États-Unis, on parle, oh, la famille Kennedy. On peut parler de plein de familles ici, mais ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Comment on crée une grande famille? C'est pas par la décision que toi aussi tu prends de t'attacher à la femme de ta vie? Si tu prends ces choses-là avec sérieux, qui te dit que Dieu ne va pas faire de grandes choses avec toi? Qui te dit que tes enfants ne seront pas les grands qui vont diriger la France demain? Voyez? Donc il faut que nous puissions nous restituer dans la vérité.
restituer dans le sérieux. Comme disait tout à l'heure pasteur Jocine, c'est tout part du sérieux. En fait, les choses que le diable veut te pousser à blaguer avec, en fait, ce sont des choses sérieuses. Voilà. Le diable va te faire croire que tu es un champion, tu peux courir toutes les femmes, mais en fait, la femme, elle est sérieuse. Ce n'est ni un jouet, ni quoi que ce soit. C'est une œuvre parfaite de Dieu. Toi aussi, la femme qui croit que tu peux jouer tous les hommes, tu es là, tu manipules, tu les tout, tu crois que tu es puissante, mais il faut réaliser. Tu es en train de jouer avec le feu, toi aussi. Parce qu'il y a un dessein de Dieu en chacun de nous. Et le diable travaille à détourner les choses de leur sens, à décaler les gens de leur destinée, parce qu'il ne veut pas la révélation de la gloire de Dieu. Mais maintenant, toi qui as été ainsi convoqué à cette conférence, il faut que tu comprennes que le dessein de Dieu est en toi. Et il va falloir que tu commences toi-même à sortir de tous les pièges du diable. Parce que c'est la vérité. Le diable a piégé le monde par l'impudicité. Et ça pose tout type de problème. Voilà. Donc il faut sortir du piège de l'impudicité. Ce qui ne t'empêche pas de t'attacher à la femme de ta vie et de vivre l'épanouissement sexuel que tu veux. Voyez, il faut quand même revenir à la vérité, parce que ainsi tu peux bâtir ta maison, tu peux faire des grandes choses. Mais le piège de l'impudicité, on a bien vu, même dans l'histoire récente, quelqu'un qui aurait pu devenir notre président en France, et il serait même bon, parce que ce n'était pas n'importe qui. Pourquoi il n'est pas arrivé là? Voilà. Pour des histoires, en fait. Alors que Dieu lui avait donné une femme canon. C'est pour vous dire que ces histoires d'impudicité-là, en fait, on ne sait pas ce que les gens cherchent, en fait. Mais c'est un piège. C'est comme la drogue, c'est une addiction, en fait. Ce sont des oppressions démoniaques. Il faut remettre les choses à leur place. Ce n'est pas nous-mêmes en faisant le compromis. Le péché, c'est le péché. C'est le péché, c'est le péché. Donc il faut d'abord se débarrasser du péché pour rentrer dans la bénédiction, dans les bonnes choses en fait. Déjà, il faut être guéri de toutes ces choses-là. Derrière tout ça, c'est plein d'oppressions démoniaques qui agissent et les gens sont chargés d'histoires, de ceci, mais surtout d'oppressions démoniaques. Parce que pour le diable, l'impudicité, c'est son boulevard. Pour s'attacher, attacher des esprits bizarres à l'homme, à la femme. Quand même Dieu vous bénit, quand on rentre dans le mariage avec des charges, des oppressions terribles, on n'arrive même plus à dialoguer de toute façon. C'est la jeunesse qui est le temps de trouver la femme de ta vie. Et toujours chercher l'avantage du temps. Voilà, toujours chercher l'avantage du temps. Parce que le diable, là aussi, vient mettre chez les jeunes que non, je ne suis pas prêt pour ceci, je ne suis pas prêt pour me baptiser, je ne suis pas prêt pour me marier. Mais tu es prêt pour quoi? Pour reproduire les mêmes oppressions que tes parents avant toi. Pour reproduire les mêmes aberrations, les mêmes attaques, aller faire humilier les femmes et tout ça. Tu es prêt à ça. Tu n'es pas prêt à bâtir ta vie, trouver la femme de ta vie. Parce que l'esprit de l'alliance manque au milieu de toi. Et quand on devient adulte, c'est là qu'on commence à affermir les choses. Ainsi, quand on arrive à l'âge de la vieillesse, ben on peut maintenant contempler ce qu'on a fait, être source de sagesse pour des générations. Donc on a vu que Dieu a conduit les temps. Mais si on laisse le diable piller tout ça, détourner le sens des choses, venir polluer l'environnement, parce qu'on vit dans une société. Voyez, il faut quand même réaliser, quand on se dit « aime ton prochain comme toi-même ». Ce que tu veux pour toi, il faut vouloir pour l'autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas de ta famille, mais il est de la même société que toi. Voyez, donc on a besoin en fait de plus d'engagement, de solidarité, mais dans un esprit d'alliance. Il y a des alliances qui sont rompues. Dans une famille, il y a une alliance. On est les membres d'une famille. Il y a une alliance. Dans une société, il y a une alliance aussi. Parce qu'on forme une société et cette société doit être prospère. Faute d'alliance, on voit tout ce qui se passe. Maintenant, on regarde les uns les autres en chaîne de faïence. Les blancs, les noirs, les jeunes, les vieux, les policiers, les jeunes dans les vols. Tout, c'est la guerre en fait
à tous les échelons. Mais qui gagne dans ça? Qui gagne dans ça? Voyez, c'est ça la destruction. C'est ça les valeurs perdues. C'est ça les bénédictions en difficulté. Et nous devons penser, les enfants qui naissent là, il faut penser dans quelle société qu'on est en train de laisser en fait. Si maintenant le Seigneur ne nous aide pas à revenir sur ces valeurs, si nous n'avons pas la volonté de reconstruire sur la vérité, parce que le Seigneur dit, celui qui veut être béni dans le pays le sera par le Dieu de la vérité. Ça commence toujours par faire le choix de la vérité. Ça veut dire dans l'histoire de l'enfant prodigue, il a reconnu que j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Toi aussi, tu peux reconnaître que oui, dans ma vie, je pêche. Ça veut dire que je rate la cible de ma vie, comme je vous ai montré. Une jeunesse a une cible, l'adolescence a une cible. Mais toi, tu peux voir que je rate la cible. J'ai abandonné les études, ou je vais à l'école, ça ne m'intéresse pas. Tu es en train de rater la cible et c'est un péché qui va te coûter cher. Parce que les péchés de la jeunesse ont des répercussions dramatiques dans la vie d'une personne. C'est plus grave que le péché d'un vieux qui est déjà au crépuscule de sa vie. Mais les péchés de jeunesse vont marquer durablement ta vie. Donc ce sont des choses très très graves. Si tu peux accepter l'intelligence, mais en fait tu es béni. Parce que tu épargnes à ta vie beaucoup de traumatismes en acceptant la vérité, parce que les choses ont un sens. Quand vous êtes en train d'enseigner à vos enfants, vous voulez tout simplement leur montrer que mais c'est insensé ce que tu veux faire. Voici le bon sens. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Mais si on n'accepte pas la vérité, si on ne se dit pas nous-mêmes que oui, on voit et on voit les choses, oui, on a subi et on reconnaît que ce n'est pas bon, donc nous pouvons toujours écouter des séminaires, ça ne produira pas la restitution que nous voulons. Parce que pour beaucoup de chrétiens même, on pense que la bénédiction, c'est une chance. Voilà, c'est-à-dire que, Seigneur, fais-moi une... C'est comme si on demande des petites chances, quoi. Mais Seigneur, fais quelque chose. Mais Dieu, c'est un bâtisseur. Il t'enseigne à bâtir ta vie, en fait. Il te donne des clés. Et comme nous avons dit, bâtir une maison veut dire qu'il y a des plans, on te donne des plans, et on te dit, prends des briques, mets là, mets des pierres, mets du fer, monte comme ça. Donc, il faut qu'on accepte l'enseignement. Il ne faut pas être fatigué d'être enseigné, d'être écouté. Mais on a écouté plein des enseignements, on a fait des études. Mais il est temps maintenant que tu acceptes la formation de la vie. Il est temps que tu acceptes l'université de ta propre vie. L'université de ton mariage. L'université de ton bonheur. C'est important. Parce que c'est aussi l'héritage que tu vas laisser sur ta maison. De génération en génération. C'est l'heure des choix, bien-aimés. Dieu nous y invite. Alors, bien-aimés, nous avons compris que la vie est une vie d'alliance. Et ici, nous voyons, je vous rappelle ce passage de Cantique des Cantiques que nous avons vu hier. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. » La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Mets-moi comme un sceau. C'est ce qu'un homme dit à une femme. C'est ce qu'une femme dit à un homme. Mets-moi un sceau. Vous voyez, cette promesse dont parlait Pasteur Jocelyne, c'est un sceau que l'on met sur le choix. Je t'ai choisi, tu m'as choisi. Voilà, et on s'engage. Parce que l'amour a besoin, effectivement, de ce sceau sur le cœur. Parce que c'est le cœur que Satan veut investir. Or, c'est la place de Dieu pour te conduire. Parce qu'il est dit, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sentiers de la vie. Ta vie est dans ton cœur, en fait. C'est là que Dieu a prévu de faire jaillir ta vie avec les révélations qui vont avec. Parce qu'au début de ta constitution, dans le sein de ta mère, c'est d'abord le sang qui s'est formé et le cœur a commencé à battre. Dieu est celui qui donne le rythme de la vie. Donc il faut que tu marches selon le rythme de Dieu. Et donc à nouveau, il faut que tu puisses maintenant sortir le diable de ton cœur, sortir de ton cœur l'esprit du monde, sortir de ton cœur toutes ces choses pour à nouveau disposer ton cœur dans la paix devant Dieu. D'abord, tu dois dire à Dieu, Seigneur, mets un sceau sur mon cœur. Il faut que Dieu tranquillise ton cœur. Parce que le diable est venu infecter les sentiers de ta vie par des mauvaises pensées, des mauvaises idéologies, des mauvais désirs en fait.
qui sont les désirs du diable, qu'il est venu mettre en toi, comme on l'a vu dans le jardin d'Éden. Satan est venu mettre ses désirs chez Ève pour dire « Non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. » C'est sa rébellion qui est venue mettre parce qu'il voulait conquérir un royaume. Tant que Adam et Ève étaient dans l'obéissance à Dieu, Satan ne pouvait pas régner sur la terre, il ne pouvait pas s'installer. Parce que, voilà, la gloire de Dieu recouvrait en fait le lieu où ils étaient. Mais ils savaient que si l'homme désobéit, s'il se décale de Dieu, alors ils seront livrés à leur propre choix. Et là, du coup, je peux tenter ma chance. Je peux faire alliance avec eux et m'installer sur la terre. Vous voyez ? Et donc, toi-même, tu es venu dans ce monde, tu as pu déjà être infecté par tout ce que le diable a déjà mis sous la terre. Mais là, tu vas dire au Seigneur, mets un sceau sur mon cœur, sanctifie, purifie mon cœur, parce que je veux à nouveau que les sentiers de ma vie jaillissent. Je veux à nouveau ma destinée puisse jaillir et les choses que tu as préparées. Ce n'est pas le diable nous piège, il te fait pas faire des convoitises. Ah, c'est peut-être là que j'aurai la paix. Ah, c'est peut-être un tel qui va me faire ça. Ah, je veux m'accrocher à un tel. Je veux m'accrocher. Non, accroche-toi d'abord à toi-même. Parce que ta vie, elle est en toi. Il faut, le Seigneur dit, rentrer en vous-même. Et de cette vie qui jaillit en toi, tu verras la vie autour de toi prendre place. Parce que ce que Dieu fait jaillir impacte l'environnement. Donc on a compris que c'est du cœur, c'est le cœur. Ce n'est pas les convoitises, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas ce qu'on entend. Mais c'est ce qui vient du cœur qui est le plan de Dieu. Et Dieu sera toujours dans son propre plan. Dieu accomplira toujours sa parole. Il n'accomplira pas nos paroles, mais il accomplira sa parole. D'où l'importance pour nous de confesser la parole de Dieu. Chacun est engagé par ce qu'il dit. Toi, tu ne fais pas les choses à la place de Dieu. Pourquoi tu veux que Dieu fasse les choses à ta place, à moins que tu comprennes qu'il est ton Dieu, qu'il est grand, et que du coup, il a un plan pour toi, et que tu veux de ce plan-là. Mais si tu fais un plan qui est contraire à la volonté de Dieu, tu as beau prier. Il ne faut pas aussi perdre du temps dans des prières qui n'apporteront rien, sinon qu'à attirer des démons, en fait, parce que tu veux tenter Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que, vous voyez que Satan a voulu faire dire à Jésus, fais ceci, prie comme ça, dis des choses. Il a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Ce n'est pas à toi de me dire que je dois transformer des pierres pour que ça soit du pain. Tu n'es pas mon Dieu. Oui. Mais veille, parce que Satan, s'il a été capable ainsi de venir vouloir instrumentaliser Jésus, tu crois qu'il peut pas te parler? Tu crois qu'il ne peut pas t'envoyer ses pensées? Pourquoi le Seigneur dit sonder les esprits qui vous parlent pour savoir s'ils sont de Dieu? C'est bien parce qu'il sait que l'ennemi peut avoir l'opportunité de te donner des mauvais conseils. Et souvent, tu en as vu toi-même, les mauvais conseils qu'il t'a donnés et les dégâts que ça a produits. Donc, première des choses, c'est qu'on confesse la parole. Pourquoi? Parce que connaissant la parole, je connais la pensée de Dieu. Donc, si quelqu'un vient me donner des conseils fantaisistes, je veux lui résister. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est à mon avantage de marcher selon la parole de Dieu, parce que Dieu sera là pour accomplir sa propre parole. Mais il ne sera pas là pour accomplir les choses que le diable vient me conseiller de faire. Vous imaginez que Jésus ait dit, « Ah, ben j'ai jeûné pendant 40 ans. Ah, tu as raison. Bon ben, oh, Seigneur, que les pierres deviennent du pain. » Qu'est-ce qui allait se passer? Vous voyez que Dieu allait obéir à Satan? Vous voyez? Donc faites attention à l'inspiration. Il faut faire attention. Parce que c'est le cœur en paix. Il faut revenir à la paix du cœur. Le monde ne fonctionne pas selon toi. Parfois, on est chargé de plein de choses, tout ça. Il faut d'abord sortir tout ça de ton cœur. Reviens dans la paix. La paix de Dieu. Sois en paix. Sois en paix. Même si tu es endetté, surendetté, tu as des problèmes, tout le monde te cherche noise. Reviens à la paix, je te le dis. Là, c'est un choix que tu poses. Je suis en paix. Et les gens sont même habitués à te voir troublé. Voilà. Quand même tu es tranquille, tu dis, mais pourquoi il est tranquille comme ça? Bon, parce que c'est des agents du diable, en fait. Et toi-même, tu es là. Il y a ceci. Et tu es là. Tu es en train de troubler ta propre vie. Quand tu vas même rencontrer l'homme de ta vie, tu vas dire, ah, voici une femme pour moi. Dès qu'il approche, il voit tout ce trouble-là. Avec tous ces hommes aussi qui sont en mal de leadership, tu crois qu'il va rester? Non, mais il faut être en paix. Aujourd'hui, nous allons d'abord restaurer cette paix. Parce que ça, c'est le sceau de Dieu. Tu es en paix. Ce n'est pas parce que tu t'agites que tes problèmes seront réglés d'un coup. C'est la paix qui va régler tout ça. Déjà, quand tu es en paix,
déjà les faux problèmes vont tomber. Voilà. Voilà. Parce que le diable emmène des faux problèmes. Le problème, il est petit comme ça. Il te fait croire que le problème est comme ça. Et comme tu t'agites, toi aussi, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Ah, le diable est content parce que lui, il veut que tu aies des problèmes. Or, Dieu veut que tu aies des solutions. Voilà. Qui est plus fort entre le problème et la solution? C'est la solution qui est plus forte que le problème. On est d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Mais c'est ça, en fait, au quotidien, on se laisse impressionner par les problèmes, par les gens qui t'attaquent. Mais en fait, ce qui est plus fort, c'est la solution. C'est la solution qui est plus forte. Or, Dieu, c'est un Dieu de solution. D'abord, il te dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve ton salut. Donc, au quotidien, un homme, une femme d'alliance est une personne calme. Voilà. Les gens vous disent, tu me dois ceci, tu as ceci, tu as ceci. Il faut lui dire, hé, on se calme. C'est moi qui ai créé des dettes. Si je te dois, je te paierai. Est-ce que parce que je te dois, tu as le droit de, tu veux me faire de moi ton esclave? Oui. Les gens, ils s'agitent. Et lui-même, parfois, il doit à plein de gens. Donc, tu dis, je vais payer ta dette. Puisque c'est une dette, je vais payer. Pourquoi tu veux m'empêcher de dormir? Voilà. Vous savez même combien notre pays qui est riche, vous savez combien la France doit? Voilà. Donc, il n'y a pas à se laisser manipuler, instrumentaliser au point de perdre ce que tu as de plus précieux. Ta paix, en fait. Tu peux même mourir au milieu de ça, alors que ce qu'on te reproche, c'est même des peccadilles par rapport à tous les chaos que l'on voit dans l'histoire. Reprends ta paix, maintenant même que tu l'entends. Sois en paix parce que ton Dieu a jugé bon que tu sois là. Et je peux te dire qu'il est prêt à te secourir. Il est prêt à régler tes problèmes. Mais la paix, c'est ta part. Retrouve ta paix. Et cette paix va emmener la joie. Et la joie du Seigneur sera ta force. Quand vous êtes dans beaucoup de problèmes, mais la pensée même du mariage ne peut pas te venir en fait. Si tu es un homme, tu vas te dire, mais moi j'ai plein de problèmes. Comment je peux même aller me marier? Tu te trompes. Tu te trompes. Le choix du mariage n'a rien à voir avec la gestion de tes difficultés en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fort. C'est une grâce que Dieu te fait en fait. Et d'ailleurs, tu as des problèmes parce que cette femme de ta vie t'a manqué en fait. Parce qu'elle n'a pas été là. Voilà. Elle t'aurait donné de bons conseils. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Dieu qui le dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai une aide semblable à lui. Voilà. Et souvent, beaucoup de gars, c'est pas le conseil de la femme de ta vie que je cherche, c'est le conseil des gars, quoi. Mon gars, j'ai tel problème, mon gars. Mais pense aux 400 coups que tu as fait avec les gars. Donc, c'est pas forcément le conseil qui bâtit ta maison. Je lui créerai une aide semblable à lui. C'est ça. Dieu est là pour accomplir sa parole. Et prenons avantage de cela. Et toi aussi, ma sœur, tu as peut-être du potentiel pour faire des choses et tout ça, et tu penses que tu n'as besoin de personne. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu as besoin de ton homme. Tu as besoin de ton homme, parce que c'est le plan de Dieu. Et tu as besoin aussi que ton conseil soit investi dans l'homme que Dieu a préparé, qui lui a donné peut-être des missions. C'est par ton conseil que le plan de Dieu va être accompli. Donc ne tombons pas dans le piège de l'individualisme aussi. L'individualisme, et comme on dit, seul peut-être on va plus vite, mais quand on est nombreux, on va plus loin. Aller plus vite ne veut pas dire aller plus loin. Je vous raconte souvent l'histoire de la mésaventure de mon frère cadet sur les... Il allait faire la course peut-être 1500 mètres. Quand vous voyez ces courses-là, au début, ils sont en peloton. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble. Une foulée. Lui, il s'est dit, comme il n'avait pas d'expérience, il s'est dit, bon... Donc, quand on va dire « à vos marques, prépartez », il a
donner une foulée. Pour lui, c'est comme s'il fait des 100 mètres. Il est parti. Et les ignorants, comme lui, ont commencé à acclamer. Ouais, Goma, Goma. Et ceux qui connaissent, disent, ils ont rigolé, en fait. Ils ont rigolé parce qu'ils voient qu'il ne sait pas. Et les autres, qui sont les pros, donc ils sont là dans la petite foulée. Goma, il est déjà là-bas. Le premier tour, ils font un premier tour déjà. Donc, après, on se dit, ben, on va voir Goma déboucher là-bas. Ce n'est pas lui qu'on a vu déboucher. Parce que le gars cassé. Parce qu'il n'avait pas l'information, en fait. Donc, on commence d'abord en groupe pour aller plus loin. Oui. Seul, on va plus vite. Vous l'avez vu, non? Mais ensemble, on va plus loin. Deux valent mieux que un. Et le Seigneur est l'admirable conseiller. Et j'avais dit aussi que ce n'est pas parce que quelque chose peut vous déranger, parce qu'aujourd'hui, dans l'individualisme, on a du mal à supporter l'échange, les petites contestations et tout. Bon, voilà, tu veux te débarrasser de tout ça. Mais tu n'as réglé aucun problème fondamental de ta vie, en fait. Déjà que même Dieu lui-même patiente vis-à-vis de toi. Dieu même va t'écouter. Qu'est-ce que tu dis? Mais pourquoi? Venez, plaidons. Et toi, parce que l'autre, vous n'êtes pas dans le même point de vue, en échangeant, tu te fatigues, tu laisses tomber, mais tu vas tout laisser tomber. Non, bien-aimé, il faut qu'on sorte vraiment des pièges de l'ennemi. Donc, hier, nous avons vu la volonté divine. Il y a une volonté divine dans le mariage. C'est Dieu qui a fait ces choses, qui a créé l'homme et la femme. Donc, il y a une volonté divine. Et comme le Seigneur rappelait encore aux pharisiens, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme? Voilà. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, le mariage, c'est le fait que l'homme prenne ses responsabilités, une responsabilité fondamentale que Dieu lui a donnée, que Dieu a créé une femme pour lui, pour qu'il ne soit pas seul, pour qu'il soit béni. Et l'homme est dans sa légitimité de se lever à un moment de sa vie pour quitter son père et sa mère et s'attacher à la femme de sa vie. C'est-à-dire que cette parole veut dire que c'est une priorité. C'est une priorité pour l'homme, en fait. Voilà. Et quand le Seigneur dit « l'homme quittera », ça veut dire qu'il y a des alliances. Quand tu es dans ta famille, c'est une alliance. Tu es né là, tu es attaché à tes parents. Donc, on voit bien que Dieu veut que tu sortes d'une alliance pour aller établir une autre alliance. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des électrons libres. Voilà. Tu as quitté tes parents, tu n'es toujours pas allé t'attacher à la femme de ta vie. Parce que le diable te fait croire que non, tu ne peux pas aller mettre la corde au cou. Allez, profite, papillonne, tout ça. Mais non, non, il faut aller rentrer dans l'alliance. Parce que c'est pour ça que tu as du mal même avec Dieu. Parce que tu ne comprends pas qu'avec Dieu aussi, il faut faire alliance. Le Seigneur dit, ils ont brisé le joug. Il y a un joug. Le Seigneur dit, prenez mon joug. Ça veut dire, on est là, le joug, c'est ce qui nous permet de suivre un maître, par exemple. De reconnaître que, par exemple, les enfants. Comment vous allez dire aux enfants que l'enfant ne va pas accepter aucun joug, c'est-à-dire qu'aucune soumission, et que du coup l'enfant va s'en sortir? Donc l'enfant a besoin d'apprendre la soumission à des règles utiles. Une soumission ne veut pas dire oppression, en fait. Allez, ça ne veut pas dire oppression. Mais ce sont des termes que le diable instrumentalise pour faire croire que nous n'avons pas besoin de soumission. Ben, attendez, les enfants n'ont pas besoin de soumission et vous vous plaignez quand maintenant dans les banlieues, les mêmes prennent n'importe quoi pour envoyer sous la police, vous vous plaignez que les enfants sont rebelles. Mais puisque on ne favorise pas la bonne éducation dans la famille, dès qu'un parent va donner peut-être une fessée à son enfant, allez, c'est parti, la police, allez, on prend, on va mettre dans une famille d'accueil et tout. Et puis après, on apprend aux enfants qu'il n'y a aucun besoin de soumission parce qu'on est pays libre. Et quand cette fausse vision de la liberté nous revient sur la figure, eh bien maintenant, c'est des problèmes qu'on va chercher. Ah, des immigrés, ah oui, des ceci, des cela. Non, le problème est dans les choix que l'on fait. Ce que ça produit, en fait, chez notamment les plus jeunes. Souvenez-vous, hier, quand le Seigneur a fini de répondre et aux pharisiens et à ses propres disciples, il a dit « Laissez venir à moi les enfants ». Laissez venir à moi les enfants. Et il a prié pour eux. Parce que ce sont eux
qui vont hériter ou des bonnes choses ou des mauvaises choses aussi. Voyez. Donc c'est très important pour nous en tant que peuple de Dieu de commencer à revenir à la parole et à ne pas se laisser en fait avoir par l'ennemi alors que Dieu dit des choses qui sont vraies. Des choses qui sont vraies en fait. Alors on va avoir peur des mots, dès qu'on parle de soumission, ah non, il n'y a pas... Non, non bien-aimé, l'alliance a besoin de ça. Vous voyez que dans le monde, on dévoie des alliances en fait et ça pose des problèmes. Le Seigneur avait obligé aux enfants d'Israël de respecter leur alliance avec la Syrie. C'est-à-dire que pourtant, c'était un peuple ennemi. Mais quand ils ont signé une alliance après des conflits que, bon, on va payer un tribut, et ils sont allés contacter le Pharaon pour faire une autre alliance, pour venir contre l'alliance qu'ils ont signée avec la Syrie. Et Dieu n'a pas accepté ça. Il dit, il faut que vous respectiez vos alliances. Parce que Dieu ne va pas favoriser ton comportement de te détourner des choses auxquelles tu t'engages, parce qu'il sait lui-même que tu ne t'engageras pas avec lui, tu reproduiras spirituellement les mêmes choses. Donc Dieu dit, il faut que tu respectes ton alliance. Si maintenant vous avez les moyens de rompre votre alliance avec la Syrie, eh bien, allez-y rompre cette alliance, et puis allez faire une autre alliance. Mais vous ne pouvez pas, quand vous êtes engagé, aller faire une alliance illicite. Vous voyez ? Donc tout ça c'est quoi ? C'est la soumission en fait. Vous voyez ? C'est la soumission. Donc ça veut dire que on règle les choses. Et si maintenant la notion de soumission n'est pas acceptée comme un principe d'alliance, eh bien ne vous étonnez pas que les couples seront toujours dans des difficultés, dans des tensions, parce que personne ne veut se soumettre à personne. Je me rappelle une fois, vous avez entendu les organismes qu'on a mis en place, Pasteur Jocelyne et moi-même, c'était une conférence de l'AFC, et puis bon, voilà, ils parlaient de la soumission, la femme vertueuse, tout ça. Et il y avait une dame qui était là, une dame qui était venue, elle était là, elle suivait. À un moment donné, quand elle a entendu la soumission et tout, elle s'est levée, elle est partie. Elle a dû se dire, mais attendez, mais regardez-moi des femmes comme ça. Ça dit que pour eux, c'est vraiment toutes ces paroles-là, c'est surtout là, aujourd'hui, là, avec les MeToo, là. Aïe, 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 aïe. Vous voyez ? Mais la soumission, mais c'est pour nous tous, en fait. Le Seigneur dit, soyez soumis les uns aux autres. Vous voyez ? Le fait même que je sois là, à ma place, pour vous apporter la parole de Dieu, est une soumission. Qui vous a dit que c'est ça que je voulais faire ? Oui. Vous êtes là. Vous pensez que c'est normal. Pour vous, c'est normal. Pasteur Goma est là. On va, on vient, on va, on vient. Mais c'est par soumission, en fait. On se soumet tous. Non seulement que je me soumets à Dieu, mais je me soumets à vous aussi. De ce que je me suis engagé à vous apporter la parole de Dieu. Et je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile tous les jours. Parfois, on peut se retrouver à être fatigué et tout, mais... On se soumet parce qu'il y a un besoin. Donc la soumission, ça concerne le couple en fait. Ça concerne même la société. Voilà. Les autorités eux-mêmes, maintenant, ils voient ne pas se soumettre, ils voient ce que ça donne. Non voilà. On est là, un président qui vient, là, il veut saluer la République, mais non, on veut le gifler. Donc vous voyez vous-même où ça amène une société qui n'a pas de sens, qui n'a pas, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de ceci. Et tout ça, ce n'est pas bon, en fait. Et du coup, dans une telle société, je peux vous dire que le mariage ne va pas du tout trouver d'assise, puisque du coup, personne ne veut des alliances, personne ne veut de la soumission. Voilà. Et il faut sortir de ça. Toi qui es le peuple de Dieu, vous êtes la lumière du monde. Il faut sortir déjà de ce type de façon d'être. Il faut sortir de tout ça. Et aujourd'hui, nous voyons que les gens sont déstabilisés. Et beaucoup de personnes, même non-croyants, accepteraient des bonnes valeurs si on peut les ramener. Tout le monde voit les excès de tout ça, en fait. Tout le monde voit. Et le danger que ça peut représenter. Nous, on pense que nos sociétés ne sont pas en danger. Bon, tout va bien et tout. Mais attendez. Quand, avec des choses comme ça, vous ne savez pas d'où va surgir le danger. Deux valent mieux que un. Alors, bien-aimés, puisque nous sommes pour le mariage,
et que Dieu va faire son œuvre. Et que Dieu va accélérer, va accentuer ce qu'il a déjà commencé avec nous, c'est-à-dire les mariages, parce qu'au CRC on est enseigné et qu'on fait ses bons choix, mais Dieu va aller, il va impacter, il va faire de grandes choses, il va ramener le cœur de l'homme vers la femme et le cœur de la femme vers l'homme. La première chose qui est demandée pour chacun de nous, c'est de se réaliser dans la puissance de l'amour. C'est-à-dire qu'il faut revenir à l'amour. Parce que ce que tu as appelé l'amour, en fait, c'est des sentiments. Ce n'est pas l'amour. Tu confonds les sentiments, les désirs et même les convoitises pour l'amour. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Et tu as entendu ce chant, pendant combien de temps il a résonné? Et puis après, non, je ne t'aime plus. Voilà. Donc, ce n'est pas de l'amour. Donc, il faut qu'on revienne dans les choses que Dieu a établies, qu'il veut mettre dans ton cœur, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la puissance de l'amour. Parce que nous avons dit, l'amour est fort comme la mort. L'amour est puissant, en fait. L'amour est puissant. Voilà. Et c'est avec l'amour que Dieu a créé tout ce que tu vois, l'univers, voyez les planètes qui sont là, ils se tiennent par une énergie que tu ne sais pas, qui font que tout ça ne tombe pas en chaos. Mais c'est au moment où Dieu va le décider, c'est ça qui va se passer. Mais là, vous voyez que Dieu a créé son œuvre avec amour et ça tient. Donc ici, ce que nous avons besoin pour réinvestir le domaine de l'amour et aller se marier sans peur, parce que ce que tu fais doit venir de toi. Voilà, le diable te fait redouter, l'autre aussi, l'autre. Non, mais ça part d'abord de toi. C'est le pouvoir, c'est toi. C'est toi qui as le pouvoir de bâtir. Donc, chacun de nous doit se réconcilier avec l'amour véritable, l'amour de Dieu. Et nous lisons souvent ce passage, c'est-à-dire l'amour charitable, c'est-à-dire le côté, le visage de l'amour qui est doté de tous les aspects qui manifestent sa puissance. Vous voyez, donc, quand on parle de l'amour, ben, on identifie, on parle de l'amour éros, l'amour philéa, l'amour agapé. C'est-à-dire que tout ça, en fait, c'est la puissance de l'amour. Et dans le couple, il y a besoin de tout ça, en fait. Voilà, il y a besoin de tout ça. Ce n'est pas basé que sur, comme Pasteur Jocelyne a dit, sur l'aspect éros, oui, des rapports sexuels. C'est basé sur toute la puissance de l'amour, en fait, comme nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8, qui dit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. » Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Il faut se réaliser dans cet amour. Il faut que chacun à nouveau accepte cet amour dans le cœur. Parce que c'est du cœur que cet amour a été sorti, par des intérêts égoïstes, par des calculs, par des choses. Et cet amour, tu l'as perdu. Et du coup, tu as peur de t'engager. Parce que celui qui est doté de cet amour, vous voyez, il ne craint pas, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne soupçonne pas le mal. Voilà, parce que cet amour est puissant. Il faut que, pour ceux qui veulent la restauration du mariage, il faut se restaurer d'abord soi-même avec cet amour. Il ne faut plus que tu t'appuies sur tes sentiments qui t'avaient souvent trompé. Mais appuie-toi sur cet amour, parce que cet amour produit la vie. Cet amour renverse les plans de l'ennemi. Et quand tu es doté de cet amour, si en face de toi, tu as un menteur, il est obligé de reculer, parce qu'il ne peut pas tenir devant l'expression de cet amour. Voyez ? Donc, tu as tout intérêt et cet amour ne te laissera jamais dans la confusion, dans l'oisiveté. Parce que c'est le principe même de la vie. Ta vie sera toujours créative, en fait. Voyez ? Voilà. Donc, il faut d'abord aller rechercher l'amour que tu ne peux pas trouver dans les rapports sexuels. Regarde toi-même. Plus tu es allé vers ces choses et plus tu es laissé rester avec des frustrations. Plus tu es resté insatisfait et toutes sortes de choses. Avant que je vienne, j'ai vu sur Internet, aux États-Unis, comme eux, vous voyez, sur le plan social, eux, ils ne blaguent pas, ils vont directement sur des thérapies, des thérapies radicales. Donc, du coup, c'est des gens d'un certain âge
qui sont internés dans un sort de camp pour pouvoir pour faire une thérapie en fait pour les dessouler de la pornographie, du sexe et de toutes ces choses. Et quand ils témoignent, vous voyez vous-même en fait. Le gars, il te dit que mais à longueur de journée, je passais au moins 4 heures dans des films pornographiques, dans des chats pornographiques en train de faire des bêtises. Ah, donc, il dit, mais tout ça de temps, ben oui, c'est ça que je faisais. Et donc, du coup, maintenant, je suis venu ici pour qu'on me dessoule de tout ça et on m'apprend la parole de Dieu et tout ça. Et les gens, en fait, même des couples, en fait. Même des couples s'y retrouvent, finalement, on ferme la télé et puis on retrouve en fait tout ce qu'ils avaient perdu, c'est-à-dire le temps, les choses simples et tout ça. Donc, on voit en fait, on voit que le diable vient mettre la convoitise à la place de l'amour qui lui est créateur, qui lui est puissant, qui lui est la gloire de Dieu en chacun de nous. Donc, il faut d'abord à nouveau laisser se tourner vers le Seigneur en fait. Même si tu ne vas pas dans ce camp-là, mais lève-toi-même, fais tes programmes en fait. Prie le Seigneur, dis Seigneur, j'accepte cet amour-là, j'accepte cet amour puissant, cet amour charitable, cet amour compatissant, je l'accepte parce que quand je vais rencontrer l'homme de ma vie, il faut qu'il en bénéficie. Quand je vais rencontrer la femme de ma vie, il faut qu'elle en bénéficie. Mes enfants doivent être baignés de tout ça. Donc du coup, c'est un choix que l'on fait. Dieu, quand il permet un programme comme ça, c'est qu'il est prêt à investir en nous. Parce que nous avons dit que la bénédiction a été perdue, mais elle n'est pas perdue pour Dieu. On peut y revenir, puisqu'il dit lui-même, ils rebâtiront sous d'anciennes ruines. Donc si le Seigneur, lorsqu'il dit, venez plaidons, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront purs comme la laine. Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Docilité, c'est bien parce que Dieu veut nous adapter à notre vie, en fait. Donc si maintenant nous réalisons que les choses qui m'ont piégé, qui m'ont pollué, qui m'ont détruit, ne peuvent pas tout d'un coup m'apporter le bonheur que je cherche. Parce que même Dieu t'a même laissé faire ces choses. Maintenant que toi-même, tu devais être convaincu que ce n'est pas bon, sinon c'est rester dans la corruption. Dieu est prêt, en fait, à réinvestir ton cœur par cet amour qui te rendra toujours vivant, vivante. Cet amour qui te permettra de bâtir, en fait, ce mariage, comme nous avons vu hier. Tu le vaux bien, ce mariage. Voilà. Il faut à nouveau ramener la société, le mariage, dans l'Église et dans la société. Dieu est définitivement le Dieu des familles. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il donne une famille à celui qui n'en a pas. Donc on voit bien le principe. On voit bien le principe de la solidarité de Dieu où seul on est livré. Donc Dieu est celui qui reconstruit même des familles. Voilà. À plus forte raison, toi maintenant qui comprends que ben moi je dois aspirer au mariage, Dieu veut remplir ton cœur d'amour, puisque c'est sa propre volonté que le mariage réussisse. Vous voyez, comment Dieu peut penser que le mariage ne puisse pas réussir entre nous, entre toi et le plan qu'il a fait? Non, Dieu veut que ça réussisse, mais ça réussit par l'amour, pas par des réflexions, pas par des calculs, pas par des mauvais conseils, mais c'est par l'amour. Et cet amour, tu dois le recevoir dans ton cœur, tu dois le recevoir. Tu dois le recevoir. Quand Jésus est venu, il sait qu'il va être confronté à des épreuves terribles. S'il avait manqué d'amour, il allait renoncer. Mais comme l'amour remplissait son cœur, il a été prêt d'aller jusqu'à cette croix. Et même sur cette croix, il n'a pas maudit ceux qui le méprisaient. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour puissant. Ça, c'est l'amour puissant qui te permettra de bâtir ta famille, de veiller sur ta famille, de conduire ta maison à bon port. C'est cet amour-là, en fait. Cet amour que nous venons de lire, qui ne se laisse pas avoir. Cet amour qui peut tout, qui cherche l'intérêt de l'autre, qui ne s'irrite pas, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui se réjouit de la vérité, qui excuse tout, qui pardonne. C'est cet amour-là qui supporte, parce qu'il y a des choses à supporter dans la vie. Qui va maintenant faire croire à ses enfants que tu ne supporteras rien dans cette vie? Il y a des choses à supporter, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on triomphe de l'injustice, qu'on triomphe de l'ennemi qui est venu pour vouloir te détruire. Donc, bien-aimé, l'amour, c'est ce qu'il nous faut, nous qui voulons la restauration du mariage. C'est ce qu'il faut pour notre société. Et Dieu, le Seigneur, sait que même beaucoup de personnes
même qui ne sont pas croyants, sont prêts à recevoir cet amour si seulement on pouvait les aider à le recevoir. Et les mariages reviendraient. Les mariages, des vrais mariages, qui soient une bénédiction pour la société, un exemple pour les nouvelles générations. On gagne tous à cela. Alors, une fois maintenant que nous sommes remplis de cet amour qui existe, voilà, ces choses ne sont pas des choses hypothétiques pour dire où est-ce que je vais les trouver. Ça existe. Ta prière va libérer ces choses. Ta position. Le Seigneur dit à tes résolutions répondra le succès. Tu ne peux pas prier et ne pas faire ce que tu dis dans la prière. Tu ne peux pas dire, tu lis la parole et ne pas suivre la parole et penser que les choses vont se faire par hasard. Non, là on a parlé d'alliance, de construction. Dieu est un Dieu qui bâtit, qui t'enseigne à bâtir. Donc ce sont des alliances que tu fais aussi avec Dieu. Et maintenant, le mariage que chacun de nous est en droit de contracter parce que ben, un homme, l'homme quittera son père et sa mère et la femme de ta vie, elle existe. Elle existe. Pour beaucoup, tu l'as même déjà trouvée. Tu l'as déjà trouvé. Voilà, c'est la femme de ta vie. Ne laisse pas ta vie divisée. Rassemble ta vie. Ramène la côte à sa place. Ramène la côte à sa place. Donc, tu as déjà trouvé la femme de ta vie. Il faut l'honorer avec l'alliance. C'est ce qu'il faut faire. Pour les autres, ben toi aussi, tu la trouveras. Voilà. Ben, par la grâce de Dieu, ben, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, quand on regarde dans la vérité, beaucoup plus de femmes qui veulent se marier que d'hommes qui veulent se marier. Vous voyez ? Si c'était que les hommes veulent se marier, que les femmes ne veulent pas, on va dire, bah, écoutez, les hommes, ils veulent, mais les femmes, on ne sait pas qu'est-ce qui les a pris. Les a prises, ils ne veulent pas se marier. Il y a beaucoup plus de femmes qui veulent se marier, donc je ne vois pas comment tu ne pourras pas trouver la femme de ta vie. Voilà. Mais il y en a aussi des femmes qui ne veulent pas se marier. Mais quand je dis il y a plus, c'est qu'il y a plus. En tout cas, mais surtout même dans l'église, on voit bien les sœurs se tourner vers le Seigneur et puis véritablement accepter d'obéir au Seigneur et donc elles veulent se marier. Donc du coup, ce mariage réussira par l'engagement et la fidélité, notamment de l'époux. Il faut réaliser que c'est à l'homme, c'est pour l'homme. Et le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc le mariage, c'est la volonté de l'homme de se marier et aussi l'attachement. Parce que nous voulons effectivement bâtir des vrais mariages, des bons mariages. Donc l'homme, frère, tu dois t'engager fidèlement parce que l'époux s'engage fidèlement, comme le Seigneur s'engage fidèlement. Jésus est le modèle de l'époux. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes l'épouse du Seigneur. Donc, on voit déjà que tout part du Seigneur, tout part de l'homme, tout part du leader, tout part du chef. Et si Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme, ce n'est pas, c'est pas négatif. Ce n'est pas pour causer quelque chose de négatif. C'est pour que la femme bénéficie d'un leadership, qu'elle bénéficie de quelqu'un qui est déjà engagé pour elle, qu'elle bénéficie de quelqu'un qui met en fait aussi sa puissance pour son bonheur. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il montre bien aimer comme Christ a aimé l'Église. Donc, il n'y a rien de négatif dans le rôle que le Seigneur donne à l'homme, en fait. Ce rôle moteur qu'il lui donne. On a bien vu hier, et nous le disons, mon épouse et moi-même, la femme n'est pas subalterne à l'homme en termes de valeur, mais en termes de responsabilité devant Dieu, ce n'est pas les mêmes responsabilités. Donc du coup, Dieu place l'homme en termes de responsabilité à être le chef de la femme par le fait que c'est l'homme qui va se lever, qui va aller s'attacher à la femme de sa vie, qui va faire un certain nombre de choses que Dieu a demandé à l'homme, comme il avait demandé à Adam. Parce qu'à la femme aussi, Dieu a demandé des choses qui sont de valeur équivalente pour réussir, en fait. Voilà. Et donc ici, nous voyons que l'homme qui veut la restitution du mariage, c'est celui qui va s'engager comme le Seigneur est engagé. Il prendra le Seigneur pour modèle. Et donc, dans Ésaïe 54, du verset 10 au verset 14, qui est un passage que j'utilise beaucoup, en fait, dans les mariages, ici, il est dit, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête que nul ne console, voici
Je garnirai tes pierres d'antimoine. Je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et tout ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Voici l'engagement de l'époux, en fait. C'est l'engagement de l'époux envers l'épouse. Voilà. On sait que sur la terre, ça bouge. Mais ici, le Seigneur prend l'exemple, puisque nous voyons que les collines sont là, ils sont comme immuables. Mais le Seigneur dit que même si les collines s'éloignent, parce que ça peut arriver par des tremblements de terre, par l'histoire que les collines s'éloignent. Donc ici, le Seigneur veut déjà montrer que cet attachement de l'amour est fidèle, puisque nous ne voyons pas que les collines là sont en train de s'éloigner comme ça, comme si c'est une instabilité. Non. Mais il dit que même si les collines s'éloignent, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Trouvez-moi une femme qui ne veut pas entendre une telle parole. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Parce que elle a besoin, en fait, de cette confiance. Elle a besoin de rentrer dans quelque chose de stable, quelque chose de fidèle. Et que toi qui es un homme, n'aie pas peur de l'alliance, n'aie pas peur, toi aussi, de manifester ton leadership. Parce qu'il faut aussi que tu envoies un signal à l'ennemi. Voyez, nous, quand on grandissait, on entendait que le diable sait qui va venir jouer. Donc, il ne faut pas avoir peur d'affirmer des positions. Parce que c'est l'expression de la foi, on confesse des choses. Parce que tu te tiens toi-même dans la fidélité. Parce que la fidélité, ça ne s'invente pas. Il faut apprendre à être fidèle soi-même, en fait. Dieu est là pour t'aider à cela. Dieu est là pour t'aider, pour que tu deviennes un homme d'alliance, en fait. Un homme qui se positionne dans les choses. Donc, du coup, toi aussi, tu vas comprendre que l'amour que le Seigneur veut mettre dans ton cœur, c'est cet amour qui affirme que mon amour ne s'éloignera pas de toi. Il y a bien des époux qui ont besoin de dire ça à leur femme. Parfois, c'est redoutable. Mais il faut arriver à le faire, parce qu'à un moment donné, c'est la restauration. Peut-être qu'il s'est passé des choses. Mais chacun a besoin maintenant de ramener cet amour-là qui permet effectivement ce mariage qui bénit, la bénédiction. Là, on cherche la bénédiction. Et toi aussi, jeune homme, toi qui vas te lever, tu as besoin de te réaliser dans ça, parce que toi aussi, tu vas dire, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Parce que malheureusement, la femme de ta vie, peut-être qu'elle a déjà connu des épisodes avant toi. Moindre chose va dire, vous les hommes. Quand tu entends vous les hommes, ça veut dire que là, il y a des choses à renverser. Non, ce n'est pas vous les hommes. Là, c'est de lui qu'il s'agit. C'est le héros de ta vie. Il ne faut pas le comparer avec les aventuriers que tu as rencontrés avant. Parce que lui, il te dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Au moment même où je suis en train de le répéter, certainement il y a quelqu'un, même par le digital, qui vient de dire à sa bien-aimée, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Ah ben oui, parce que heureusement, il y a des héros, quoi. Il y a des gars super. Ah ben oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. C'est à l'honneur, c'est la gloire de l'homme, c'est le chef, en fait. Et en plus, nous voyons ici, effectivement, le Seigneur voit le malheur des femmes. Malheureuses, battues de la tempête, on voit... Parce que les femmes sont ballottées au niveau des émotivités. On a parlé même des adolescentes très tôt. On veut s'attacher, les bandonnes, les tout ça, ça ne tourne pas. La jeunesse, des histoires, on veut aller se suicider. Donc, beaucoup de femmes sont émotionnellement battues de la tempête. Sont malheureuses, en fait. Voilà. Parce que tu as vu des films, tu as rêvé des choses. La femme, elle va rapidement dans son film d'amour. Et donc, beaucoup sont malheureuses, en fait. Et toi, que Dieu, qui est l'homme de sa vie, que Dieu t'emmène vers elle,
tu vas lui dire maintenant que non, 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 voilà, je suis ta consolation. Ne regarde plus en arrière, je suis là. Et parce que cet amour rédempteur, cet amour créatif en fait, comme le Seigneur ici, il dit, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, je te donnerai des fondements de saphir. Donc, il y a de ramener auprès de la femme ce fondement qui lui manque, en fait. Parce que si maintenant tu confesses que ce que Dieu dit, que la femme a été prise de l'homme, donc tu comprends que l'homme est la fondation de la femme, en fait. Ça, c'est une parole. Les MeToo ne peuvent pas le prendre, cette parole-là. Mais pourtant, c'est la vérité. Voilà. Quand une femme se retrouve à côté de l'homme de sa vie, en fait, elle sent une fondation. Comme si maintenant, elle est ancrée. Voilà, l'agitation s'arrête. C'est parce qu'elle revient, en fait, à sa place, en fait. Voilà. En cela, l'homme est un héros. Et je suis sûr que même par Internet, une sœur vient d'acclamer pour l'homme de sa vie. Ah, mais oui. Parce que c'est bien de se plaindre des hommes. Quand Dieu, maintenant, t'emmène ton héros, tu ne vois pas que c'est une bonne chose que le Seigneur vient de faire pour toi. Qu'enfin, tu te sentes en sécurité, poser et reposer, parce qu'il te donne un fondement de saphir. Il fait tes créneaux de rubis. Ça veut dire que cet amour est productif. Ça ramène la vie, ça ramène la joie. Toutes ces choses qui sont décrites ici, c'est en fait des choses fortes même émotionnellement, comme la sérénité, la paix, la joie. Toutes ces choses, en fait, ce sont comme des pierres précieuses. C'est une construction spirituelle. Même les dons du Saint-Esprit en toi peuvent maintenant s'exprimer parce que ta fondation est là. Tu n'es plus battu de la tempête. Et le Seigneur parle déjà, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera ta postérité. Tu n'as rien à craindre, tu seras affermi par la justice. Nous voyons que tout ça, c'est la justice de Dieu qui ramène les choses à leur place, qui ramène deux valent mieux qu'un, qui ramène le mariage, c'est juste, c'est de la justice tout ça. Malgré les déceptions que tu as rencontrées, les gens qui t'ont rejeté. Mais quand Dieu accomplit cela, c'est une justice qu'il a accomplie pour toi. Pour que tu sois heureuse, pour que tu te réjouisses, que tu connaisses que Dieu ne t'a pas abandonné. Les gens même qui se moquaient de toi, tout d'un coup, ils vont commencer maintenant à bien te regarder pour dire, hey, pour de bon, c'est une princesse. Hein? Parce que ton héros est là. Tout ça, c'est de la justice. Il ne faut pas croire que quand Dieu veut le mariage entre nous, comme s'il nous oblige à des carcans. Il faut quand même réaliser. Qu'est-ce qu'on a gagné en dehors du mariage, en dehors de ces principes-là, dans les pièges de l'ennemi. Au contraire, il faut qu'on réalise que c'est ça les biens spirituels. C'est ça qui a été le royaume qui a été volé. Donc, frère, n'aie pas peur de revêtir la gloire de ce leadership-là. N'aie pas peur de rejoindre le MIDH et l'homme responsable. Parce que l'homme est responsable. L'homme qui appartient au Seigneur est responsable. Qu'est-ce que les sœurs cherchent chez l'homme comme première qualité? Les sœurs, vous ne dites plus rien. C'est quand même la responsabilité. Voilà, un homme responsable. Voilà. Un homme responsable. Et qu'est-ce que Dieu donne à l'homme? C'est la responsabilité. Qu'est-ce que l'amour donne à l'homme, c'est la responsabilité. Et donc, d'être un homme responsable, c'est ce pourquoi Dieu nous a mobilisés. Alors, quel que soit peut-être ton parcours, peut-être que tu n'as pas bénéficié de la figure paternelle, beaucoup de choses, mais Dieu est ton Père et il va t'équiper. Et tu vas te construire en réussissant toi ton challenge. Voyez, il ne faut pas accepter des handicaps du genre, bon, je n'ai pas vécu ça, donc moi je ne peux pas faire ces choses. À quoi sert l'enseignement? À quoi sert l'Église? Au contraire, prends aussi ta revanche sur l'histoire. Bâtis une maison où tes enfants n'auront pas à souffrir ce que toi tu as souffert. Ça fera de toi non seulement un bon époux, non seulement un père, mais aussi un père spirituel pour des générations après toi. Dieu nous prête ses paroles
C'est parce que le Seigneur dit l'homme est la gloire de Dieu. Dieu veut véritablement se lever dans l'homme, en fait, pour lui donner le succès dans la société. Il faut, pour ça, renoncer, chasser Satan et laisser Dieu dominer sur toi. Alors Dieu fera aussi de la femme qu'elle soit ta gloire. Parce que c'est aussi Dieu lui-même qui touche le cœur de la femme au sujet de l'homme pour montrer que non, ce n'est pas comme tu vois, ce n'est pas comme tu dis, mais c'est ma gloire. Et donc, à partir de là, si maintenant l'homme se lève, la femme doit se laisser attacher à l'homme. La femme doit se laisser honorer par l'homme. La femme doit se laisser couronner. Parce que la femme a reçu un investissement de la part de Dieu pour le bénéfice du couple et de la famille. Voilà. Je lui créerai une aide semblable à lui. Donc ça veut dire que la femme a reçu des choses pour aider, pour réussir quelque chose. Tout ce potentiel que Dieu t'a donné, ce n'est pas que pour toi-même. Comme on voit certaines femmes aujourd'hui, des féministes enragées, qui veulent maintenant penser que l'épanouissement de la femme, c'est en dehors du mariage. L'homme, il faut le jeter, il faut aller créer même un autre monde et tout ça. Non, il ne faut pas partir dans cette instrumentalisation. Il faut seulement chercher la justice. C'est-à-dire la justice, c'est bannir ce qui n'est pas bien. Des violences, des trahisons, toutes ces choses, il faut les bannir tout simplement. Voilà. Il faut recuser ces choses, et c'est avec raison. Donc on voit bien qu'avec quand même les choses qui sont dénoncées, on peut espérer un changement, y compris des hommes, parce qu'il n'y a rien, on a, comme on a vu hier, personne, la société n'a pas gagné d'un comportement de l'homme où il veut s'affranchir de toutes les règles sous prétexte qu'il est ceci, cela. Donc tout ça, ce n'est pas bon, parce que le mariage reviendra par le désir de l'homme de se marier, par le fait que l'homme puisse envisager la femme de sa vie. Ça ne viendra pas différemment. Donc du coup, on n'est pas contre que les femmes, quand elles réclament justice, c'est aussi pour rendre la société meilleure. Donc il n'y a personne qui va acclamer l'homme à continuer à mépriser la femme, ni même aller dans des histoires comme des féminicides ou des choses comme ça. C'est très très grave en fait. C'est très très grave. C'est à cause de ce genre de conneries que beaucoup de personnes vont aller en enfer en fait. Il faut réaliser. Dieu t'a créé une femme pour ton bonheur et puis maintenant le diable vient te dire fais, et puis après on va dire oui c'est quoi, on cherche des circonstances atténuantes, c'est quoi, c'est l'amour, je ne sais pas comment et tout. Il faut renoncer à cela. C'est pas bon en fait. Il faut quand même réaliser c'est qu'une vie. Ta vie n'est pas plus que la vie de la personne qui est en face de toi, quelle qu'elle soit en fait. Donc il faut revenir quand même au rôle sacré de la vie. Parce que si maintenant on ne peut pas redonner à la vie même le caractère sacré, vous croyez que c'est au mariage que notre génération va donner le caractère sacré? Donc il faut déjà revenir à la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est que les choses que Dieu a faites, toi tu peux détruire la maison, peut-être que tu as bâti toi-même. Tu vas dire c'est moi-même, tu prends ton téléphone, tu jettes par terre, tu dis bon, ça ne regarde que moi. Mais les choses que Dieu a faites pour sa propre gloire, tu ne peux pas y toucher comme ça. Tu ne peux pas aller attenter à la vie de quelqu'un comme si ta vie est plus que la vie de la personne. Dieu va te demander des comptes. Voilà, Dieu va te demander des comptes. Déjà que Dieu ne veut même pas qu'on maltraite déjà même les animaux. Même les animaux dits domestiques. Là. Tu vois, parce que Dieu n'est pas dans ce type de caractère. Dieu est au contraire pour que chacun contemple la gloire de Dieu. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas manger de la viande. Non, je parle de la maltraitance. Voilà. Comme je vous ai souvent dit que nous, on aimait bien aller maltraiter les crapauds. On allumait un plastique avec le feu, et puis ça tombe, et on allait mettre sur les crapauds. J'ai dû me repentir de tout ça, quand j'ai compris tout ça, j'ai dit, Seigneur, pardon. Parce que ce n'est pas moi qui ai mis le crapaud là. Dieu lui-même qui a créé le crapaud, on ne sait même pas pourquoi. Mais lui-même, pour Dieu, il est beau. Donc même si pour toi, tu trouves que le crapaud n'est pas beau, mais c'est Dieu qui l'a mis là, en fait. Voilà, donc il faut que tu laisses le crapaud tranquille, il faut respecter le crapaud. Ah ben oui. Ici, il y a même une association de défense des crapauds. Si, j'ai déjà vu ça à la télé, parce que du coup, ils militent par le fait que les crapauds, quand ils essaient de traverser la chaussée, ben, ils se font écraser. Donc du coup, ils disent, non, il faut trouver des solutions pour le crapaud. Mais ça, quand nous, on entend ça, on dit, mais regardez-moi, c'est des gens comme ça, ils n'ont rien à faire. Alors que tout ça, c'est normal, en fait. C'est Dieu qui a mis les choses, il faut qu'on respecte. À plus forte raison, un être humain. Non, là, on va revenir aux choses de Dieu.
On va revenir aux choses de Dieu, y compris à tous les 10 commandements, tout ça. Il faut revenir à ces choses comme ça, parce que qu'est-ce que la société gagne à cette permissivité? Et quand maintenant ça éclate tout le monde, maintenant, mais oui, mais c'est ça qu'on prône au quotidien. Il y a des choses sacrées, des choses, la vie est sacrée et intouchable. Après, on chante, tout, nous irons tous au paradis. Ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Donc, le mariage, la relation entre l'homme et la femme est là pour créer le bonheur, la gloire de Dieu, non pas le danger, non pas des meurtres, non pas ni même l'atteinte aux enfants. Donc, il faut qu'on s'engage. Vous savez, c'est comme on a vu tout à l'heure, le mariage est fondé sur l'engagement fidèle de l'homme et de la femme. Mais c'est ce que les mariés déclare devant le maire, en fait, le maire lui-même. Article 212 du Code civil, les époux se jurent mutuellement respect, fidélité et assistance. C'est ce que le maire déclare. Alors, pourquoi maintenant, quand on parle de fidélité et tout, on a l'impression que non, ça c'est des histoires passées. Donc le maire aussi, il dit ça pour rigoler, en fait. Pourtant, devant le maire, hein, tout le monde le dit, en fait. Se jure, en plus, se jure fidélité. Donc, au final, c'est des parjures, alors. Donc, vous voyez que c'est ce que la parole de Dieu veut dire aussi. Parce que quand le maire aussi est en train de célébrer le mariage, il espère, parce que la société en a besoin, en fait. À plus forte raison, dans l'église, où on te rappelle ce que Dieu attend du mariage, c'est la fidélité. Alors, maintenant que l'homme est fidèle, est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes fidèles? Ah ben oui, une société est bâtie par les hommes fidèles. Oui. Hein, les sœurs? Faut déjà apprendre à prier pour l'homme de ta vie. Même quand il n'est pas encore là, tu dis, quand tu as... Parce que dans les prières, on a plein de sujets. Mais même vers la fin de ta prière, tu peux dire, Seigneur, bénis l'homme de ma vie là où il se trouve. Mais fais qu'il se lève, hein, Seigneur. Oui. Donc, tu es déjà en train de l'aider déjà. Voilà. Bon. Alors, les sœurs, maintenant, donc, il faut donc un retour vers la couronne de la sagesse. C'est ce proverbe qui est connu de nous tous. Parce que le mariage ne va pas revenir tel que Dieu le veut sans que la femme retourne à sa couronne de sagesse. Sans que la femme redevienne cette femme bâtisseuse, telle qu'il est dit ici, en fait. Ça ne doit pas être que des paroles comme ça, mais c'est des paroles qui doivent être assumées. Voilà. Proverbe 31, verset 10 à verset 12. « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle est plus que... Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront... pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Qui peut trouver une femme vertueuse? L'homme qui se lève, l'homme responsable, l'homme qui s'engage doit trouver une femme vertueuse. Ça veut dire, les sœurs, le programme de Dieu pour vous, c'est de revenir à la vertu. Parce que l'homme va se lever. Mais il faut qu'il trouve. Parce que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et l'homme le vaut bien. Ça veut dire que les femmes vertueuses ne doivent pas être rares. Parce que c'est ce que Dieu veut, en fait. L'homme doit trouver la femme de sa vie. Et c'est une femme vertueuse. Ça veut dire que le moment où tu es peut-être dans la maison de tes parents, ou peut-être que tu es dans la phase du célibat, ce n'est pas un temps pour déprimer. C'est un temps tout simplement pour rentrer dans ton potentiel, dans ta vertu, dans ta puissance, puisque l'homme va trouver cette femme vertueuse. Et la vertu ne vient pas dans l'oisiveté. Elle vient quand même dans l'expertise des choses que tu sais faire, que tu... Vous voyez, donc il faut retrouver cela. Parce que ça n'aide pas aussi que les femmes de leur côté soient peut-être désabusées dans la solitude, deviennent amères, négatives. Tout ça, ça n'aide pas. Si on encourage l'homme à revenir dans l'alliance, à revenir dans la fidélité, Dieu aussi doit travailler avec les sœurs. Et ici, nous avons des organes, l'AFC. C'est pour rendre toujours la femme vertueuse. Elle doit porter sa couronne. Et c'est même
tout le monde doit voir Dieu à l'œuvre. On voit un homme fidèle, on sait que c'est la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas du tout des tendances naturelles. Depuis que le corps a été pollué par le péché d'Adam, les tendances naturelles, c'est l'infidélité et l'impudicité. C'est que quand tu te tournes vers le Seigneur, que tu crains Dieu, que tu as la grâce d'être un homme fidèle. Donc la femme doit reconnaître l'œuvre de Dieu dans la vie de son héros. De la même manière que la femme doit se laisser former par Dieu, préparer par Dieu, afin que l'homme puisse aussi bénir Dieu pour la femme vertueuse qu'il a trouvée. Voilà. Donc il n'y a pas, même pour les jeunes, comme je disais tout à l'heure, les adolescents, il n'y a pas de place pour la crise de l'adolescence. Il faut déjà non seulement étudier à l'école, mais dans l'adolescence, toi qui es la jeune fille, ben tu vas commencer à apprendre auprès de ta maman comment on fait des bons petits gâteaux, comment on fait des bons petits plats. Tout ça, ça vient dans la vertu dont il est parlé ici, en fait. La femme doit être équipée parce qu'elle est là pour faire plein de choses, aider, bâtir sa maison. C'est ce que nous voyons. La femme sage bâtit sa maison. Donc, il faut que tu comprennes que ton challenge est grand aussi. Et plus tu vas rencontrer l'homme de ta vie qui a une grande vision que Dieu lui a donnée, mais tu vas beaucoup travailler puisque du coup, pour bâtir une grande maison, il faut que tu aies beaucoup de bons conseils à donner, hein, et des choses à manager parce que c'est la femme qui bâtit la maison. C'est elle qui bâtit la maison. C'est toi qui vas challenger ton mari. Mais ces choses, tu ne pourras pas les inventer si tu ne l'as pas recherché auprès de Dieu. Si tu n'as pas occupé ton temps à la vertu, à apprendre des choses. C'est ce que nous voyons ici, dans la suite du verset 26 au verset 31. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et lui disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Donc on voit en fait. On voit que l'homme doit être occupé à rechercher cette sagesse, aussi cette force. Et la femme aussi est occupée. Et Dieu les prépare, tous les deux, à rentrer dans ce projet fondamental, pour toute la société. Sachez que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand un couple est réussi, c'est une vraie bénédiction pour toute la société. Va découler des enfants qui seront une bénédiction pour toute la société. Et la société est fondée par des familles, en fait. Et les familles sont fondées par des couples. Donc il faut réaliser que ce travail d'apprendre, et l'Église est là aussi pour ça, pour équiper l'homme comme pour équiper la femme. Parce que cette bénédiction, elle va venir en fait. Et tu verras que tout le temps que tu as pris à appliquer ton cœur à la sagesse, finalement n'est pas vain. Et certains même des derniers seront les premiers. C'est très important, bien-aimé. La femme doit être couronnée. Parce que quand Dieu a créé Ève, Dieu a fait dormir Adam avec son blouse. Et Dieu a formé Ève. Elle a doté Ève d'intelligence, de beauté et de plein de choses. Et Dieu lui a donné des conseils. Je t'ai formé pour que Adam soit heureux. C'est lui le chef. Mais toi, tu vas réjouir son cœur parce que je mets ma gloire en toi. Et c'est pour ça que quand Adam s'est levé et qu'il a vu, Seigneur, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, j'ai vu que tu l'as prise là, il faut qu'elle revienne à sa place. Donc la femme est une bénédiction pour l'homme. Donc tout ce que tu entends ici, que tu fais du bien à ton mari, il faut le faire. Et parfois, quand tu rencontres peut-être ton mari, peut-être qu'il est encore ceci, cela et tout, mais par la crainte de Dieu et par la volonté de Dieu, manifeste ta vertu. Cela produira, cela apportera la puissance, le changement. Parce que de toute façon, c'est ton identité spirituelle. Voilà. Même quand tu as subi peut-être un mal, mais le mal ne doit pas produire le mal en fait. On n'a pas besoin de changer en mal, on a besoin que de changer en bien en fait.
Voilà. Donc ne fais pas l'économie de ta vertu, de ta beauté, de ta sagesse, de ta puissance. Parce que Dieu aussi nous rémunère les uns les autres et chacun rendra compte à Dieu de l'histoire qu'on aura menée sur cette terre. Le mariage a besoin de l'engagement fidèle de l'homme et aussi de l'engagement fidèle de la femme. L'homme dans sa responsabilité, la femme dans sa vertu à bâtir la maison, à donner du sens même à la vie de l'homme de sa vie. Et là, on peut voir des couples où la femme gère ses affaires, l'homme ses affaires. Et parfois, tu vois que ton mari s'est levé, il est allé, la chemise est peut-être même déchirée. Tu regardes, regardez-moi, je suis là et tout ça. Mais c'est ta responsabilité de rendre ton, de donner de l'honneur à ton mari. C'est ça qui est dit ici, que quand son mari, vous lisez, vous allez lire encore tout le tout, vous verrez qu'aux portes, on donne de l'honneur à son mari. Voilà. Parce qu'elle fait aussi l'œuvre de Dieu dans la vie de son mari. Pour que le Seigneur, en fait, parce que l'apôtre Pierre dit que ce que tu le fais comme si tu le fais au Seigneur. Nous tous, nous serons bien d'accord de se prosterner devant le Seigneur, de lui donner toute la louange, de faire ces choses. Mais quand il s'agit de nous les uns les autres, on trouve qu'on n'est pas dignes les uns les autres. Mais le Seigneur, il dit, mais si tu n'aimes pas l'homme que tu vois, tu vas dire que tu aimes Dieu. Là, il y a un problème. Donc, voyez que tout ça, ça a à voir aussi avec le plan de Dieu. Ça a à voir avec le plan de Dieu. Alors, il est temps. Pour conclure maintenant ce message, il est temps que nous puissions comprendre que le mariage, l'alliance du mariage, c'est d'enchanter l'amour. L'amour de Dieu qu'il a mis dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit met cet amour. C'est ce que la parole dit. Le Saint-Esprit, là, il va remplir ton cœur de cet amour pendant que tu renonces à toutes les convoitises, les méchancetés et tout ça. Le Saint-Esprit va remplir. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons semblables à lui. Parce qu'il est dit qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple sera comme son maître. Et ici, voici ce que dit le Seigneur dans Ézéchiel 16, du verset 8 au verset 12. Et c'est ce que le Seigneur veut que chacun de nous puisse véritablement confesser ses paroles et marcher comme Dieu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là. Le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans de l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je toignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, des chaussures de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin. Je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains. Un collier à ton cou, et j'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. C'est que l'amour est fort, l'amour est beau, l'amour est fidèle. L'amour, c'est la vie. C'est le don suprême que l'homme reçoit de Dieu. On a vu que les prophéties cesseront, mais l'amour est éternel parce que l'amour, c'est Dieu. Et toi qui crois en Dieu, si tu n'es pas capable d'aimer, il y a quelque chose entre toi et la foi que tu mènes en Dieu. Parce que c'est le désir de Dieu que de remplir l'homme d'amour. C'est ce qu'il recommande. Alors, au-delà de ça, nous comprenons que ce que Dieu veut, c'est le bonheur de l'homme et de la femme. Et ce bonheur se construit par l'engagement mutuel. L'homme doit être entier dans l'alliance et la femme entière dans l'alliance. Le couple doit être entier dans l'alliance familiale, comme le Seigneur dit, qui ramène le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. L'amour, c'est ce pourquoi nous sommes là. C'est par l'amour que nous résistons à Satan. C'est par l'amour que nous relevons la société. Et Dieu prendra plaisir dans tes œuvres d'amour. Il est temps de ne plus laisser le diable fausser la vision des vraies choses. Aimer la femme, c'est ça la vraie chose. Aimer ton mari, c'est ça la vraie chose. Fonder ta famille, c'est ça la vraie chose.
y a plein de choses que nous faisons parce qu'on en a besoin. On souffre pour ceci, on travaille, on mange. Mais comme le Seigneur a dit, ce n'est pas pour ça qu'on a été créé. Personne n'a été créé pour aller travailler, pour gagner d'argent. On en a besoin, c'est pour ça qu'on le fait. Mais on a été créé pour aimer. C'est ton identité. Tu as été créé pour faire du bien à ton prochain. Tu as été créé pour bâtir ta famille. Parce que de génération en génération, le peuple de Dieu doit se continuer. Pour que la gloire de Dieu soit toujours manifestée. Et le peuple de Dieu a une responsabilité au milieu de sa génération d'être la lumière du monde et le sel de la terre. C'est-à-dire porter les valeurs de la vie que le monde rejette. Le peuple de Dieu ne doit pas les rejeter. Sinon, c'est livrer finalement la société à Satan. Tant que le peuple de Dieu sera là debout, va résister à l'impulsion du diable d'entraîner l'histoire dans la catastrophe, Satan ne pourra pas régner. Il va toujours attaquer, faire des choses. Mais l'Église sera toujours l'appui et la colonne de la vérité. Il est temps de revenir à l'amour. Parce que c'est ce que la société a besoin. C'est ce que les familles ont besoin. C'est ce que la femme a besoin. C'est ce que l'homme a besoin. C'est ce que les enfants ont besoin. C'est ce que tout le monde a besoin. C'est ce que la France a besoin. C'est ce que toutes les nations ont besoin. Parce que comme je le dis souvent ici, quand on voit même les déficits dans lesquels se trouvent et les pays, et les familles, et les individus, souvent ces déficits sont creusés pour financer le péché. Et des choses qui détonnent par rapport à l'harmonie que Dieu veut donner, la solidarité. Deux valent mieux que un. Et ils tirent un plus grand profit de leur travail. Quand la fidélité est là, vous êtes bénis, même économiquement, financièrement. Parce que je peux vous dire que l'homme et la femme seront consacrés à bénir leur maison, leur famille, et même à bénir l'Église et même la société. Mais quand le piège de l'impudicité est là, ça sera toujours des trous dans le budget. Ça sera toujours aller financer le royaume du diable avec tout ce que ça emmène comme des dangers, des cœurs ravagés, des meurtres à cause du piège de l'impudicité. Alors que l'amour est là pour bénir tout le monde. Par amour, la femme sera couronnée parce qu'il y aura un homme. Pour une femme, c'est ce que l'apôtre, nous le verrons ce soir. Il dit, il faut que chaque homme ait sa femme et chaque femme son homme. Cela est possible en fait dans l'équilibre en fait de l'humanité. À part les vrais eunuques, peut-être qu'il y a des femmes aussi, peut-être qui sont appelées à être des eunuques. À part ça, si on enlève les eunuques faits par l'homme et si on enlève le choix de ne pas se marier et si on remet la fidélité, mais je peux vous dire que les générations même à venir seront équilibrées, même les jeunes. C'est ce que nous leur demandons, de faire des bons choix afin de bâtir, de relever la société et les familles. Alors les jeunes vont apprendre à se respecter, à passer par des fiançailles et à se marier. Et je peux vous dire que cette société sera meilleure que celle dans laquelle on est là maintenant. Parce que c'est de la vertu, c'est des valeurs. Ces choses sont une force d'une génération, d'une nation. Et il n'y a rien que l'on peut démontrer contre ça. Dieu est pour nous. Et c'est pour notre bien que Dieu parle. C'est pour notre bien que Dieu a mis cette conférence. Alors, reçois ces paroles et mets-les en pratique sans tarder. Et tu verras cette restitution. Elle ira au-delà de ce que tu peux même penser. Dieu fera infiniment au-delà de ce que tu penses ou que tu demandes. Alors le Seigneur reconstruira ta vie. Et il reconstruira ta famille. Il ramènera les choses que tu as perdues sans t'en rendre compte. Dieu va ramener ces choses. Il ramènera plein de choses. Et tu seras béni. Et tu verras que, oui, ma vie avec Dieu est totalement meilleure que la vie sans Dieu. Alors, bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu de culpabilité. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation. Mais c'est un Dieu qui nous appelle à nous relever. C'est un Dieu qui nous appelle à la repentance. Mais Dieu prendra plaisir quand tu vas réussir les choses. Dieu prendra plaisir quand tu vas aller t'attacher à la femme de ta vie. Dieu prendra plaisir à la famille que tu vas bâtir. Dieu va prendre plaisir. Il est notre rédempteur. Et l'Église doit se lever pour être le modèle. Oui, Dieu veut faire ces choses. Et vous qui
m'avait suivi. L'alliance du mariage est là maintenant, dans ton cœur, devant toi. Engage-toi dans cette alliance et tu rendras heureuse la femme de ta vie. Et tu permettras que ta famille, qui existe spirituellement, viendra à l'existence. Et toi aussi qui acceptes cette vertu et que tu reconnaisses aussi l'homme de ta vie, eh bien tu rendras heureux l'homme de ta vie. Tu en feras aussi un chef de famille, tu en feras quelqu'un d'important. Et le Seigneur verra ainsi son œuvre être accomplie. Et l'Église ainsi sera bâtie par le succès du mariage. Et la société sera positivement impactée. En tout cas, tu auras participé à l'histoire que Dieu avait préparée pour toi dès avant la fondation du monde. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Rester dans le mal, c'est se laisser corrompre et se laisser entraîner par le diable, loin de Dieu. Mais revenir dans les vraies choses, demander pardon pour le mal que tu as fait et pratiquer le bien, c'est le sens de l'Évangile. Une alliance nouvelle entre toi et Dieu. Et Dieu prendra plaisir car sa gloire sera manifestée. Dieu est pour le bonheur de son peuple. Dieu est pour le salut de beaucoup d'âmes. Et nous allons prêcher, nous allons confesser la parole, mais nous allons aussi établir un témoignage dans notre quotidien afin que tous voient que la parole de Dieu est la vérité et que c'est ce qui manque à notre génération. Alors je te demande de te mettre debout dans ce lieu, de mettre debout là où tu te trouves, parce que nous allons maintenant invoquer Dieu pour que cette alliance revienne, pour être véritablement la force des mariages que nous espérons, la force de la reconstruction du mariage qui était déjà en danger ou abîmé. Oui, nous allons invoquer le Seigneur pour les jeunes qui sont dans les fiançailles, pour revenir à ce que nous avons entendu avec Pasteur Jocelyne. Et nous allons prier pour que les jeunes, ou toi qui es un homme d'âge mûr, tu as compris aussi que tu es peut-être passé à côté de ces choses. Toi aussi, Dieu fera de toi un jeune fiancé, parce que la femme de ta vie aussi, elle attend. Et Dieu prendra plaisir. Dieu prendra plaisir. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, me voici, j'ai entendu ta parole. Je reconnais aujourd'hui que tu es le Dieu du mariage, parce que tu mets dans le cœur de l'homme la volonté de faire alliance. Et tu mets dans le cœur de la femme la volonté de faire alliance avec l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui j'accepte que tu puisses changer l'image que j'avais, Seigneur éternel, pour ne pas mépriser la personne que tu as positionnée pour moi. J'accepte de revenir dans cette alliance et j'accepte le principe de l'alliance parce que tu es un Dieu d'alliance. Et moi aussi qui suis ton fidèle, moi aussi je suis un homme, une femme d'alliance, Seigneur. J'accepte cet amour puissant. J'accepte cet amour, Seigneur, qui peut tout. J'accepte cet amour qui supporte tout. Mais j'accepte cet amour créatif, cet amour victorieux, Seigneur. J'accepte, Seigneur éternel, ce pouvoir, Seigneur. Remplis-moi de cet amour maintenant même. Guéris-moi de toutes les blessures, de tous les échecs, de tous les rejets que j'ai subis, Seigneur. Et viens enlever, Seigneur, le poids de cette solitude, Seigneur éternel, oh Dieu, qui m'avait empêché de poursuivre, Seigneur, ma préparation. Je crois en ta parole et dans ta capacité d'emmener un temps nouveau, Seigneur, pour le mariage éternel. Je fais alliance avec le mariage, la bénédiction du mariage. Et dès maintenant, Seigneur, je déclare que je suis capable de réussir ce challenge. Et dès maintenant, je déclare que je suis préparé pour relever ce défi, parce que tu l'accompliras dans ma vie, Seigneur. Parce que tu es le Dieu des familles et c'est toi qui vas faire ces choses, Seigneur. Parce que tu me renouvelles, parce que c'est ici le rendez-vous que tu m'as fixé pour la restitution du mariage. J'accepte que le mariage est une bénédiction fondamentale dans la société. Je crois dans le mariage. Je crois, Seigneur éternel, dans le retour de cette bénédiction, dans le relèvement de cette institution, Seigneur. Et je crois en une génération qui fait alliance, Seigneur. Comme nous voyons dans la Bible, des générations qui ont su faire alliance et qui ont relevé d'antiques décombres et qui ont rebâti sur d'anciennes ruines. Seigneur, j'accepte d'être aujourd'hui un bâtisseur, une bâtisseuse, éternel Dieu. J'accepte, Seigneur éternel, cette puissance spirituelle. Saint-Esprit, viens maintenant même, et délivre-moi de toutes les convoitises de ce monde, Seigneur. Et guéris mon cœur, Seigneur. Mets la paix dans mon cœur, afin que tous les sentiers de ma vie puissent jaillir, afin que ma vie puisse produire autour de moi toute la bénédiction, Seigneur éternel, que j'espère.
Tu es Dieu qui fait ces choses, qui fait se lever l'homme de ma vie, la femme de ma vie. C'est Dieu qui fait venir dans l'existence mes enfants, Seigneur, qui sont auprès de toi. Tu es Dieu, Seigneur, qui bâtit, qui me permet de bâtir ma maison et que ma maison puisse regorger toute espèce de provision, afin que, Seigneur, dans ma génération, que ma part compte aussi, Seigneur, en voyant, Seigneur, toute l'œuvre que tu vas accomplir dans ma vie. Parce que tu me bénis aujourd'hui de la bénédiction du mariage. Seigneur, c'est toi qui restaure mon mariage, qui restaure mon couple éternel, parce que tu es Dieu qui fait ces choses.